passe vraiment trop vite les vacances. Mais bon, c'est bien aussi de retrouver les amis. Bon, il est temps de faire le point sur la chaîne. Nous avons remarqué que les plats complets salés marchaient moins bien que les desserts. Mais on va persister à vous en présenter, car manger équilibré, c'est très important. On ne peut pas manger tout le temps des gâteaux, hein, les coquines. Aujourd'hui, ce sera une recette avec un légume que nous adorons ici. Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi. On se lave les mains et direction cuisine. Il faudra 3 courgettes, 2 paquets de ravioles du Dauphiné, 400 ml de crème liquide, une pincée de noix de muscade, 2 pincées d'ail haché déshydraté, du sel et du poivre. Je lave et coupe les courgettes en tronçons. Je hache un tiers des courgettes dans le Turbo Max. Je mets les courgettes hachées dans mon Ultra Pro 2 litres et je recouvre de la moitié des ravioles. Je renouvelle les opérations. Je termine par une troisième couche de courgettes hachées. Dans le Speedy Chef, je fouette légèrement la crème, la muscade, l'ail, le sel et le poivre. Je verse la préparation dans l'Ultra Pro. Attention, il ne faut pas fouetter longtemps, il ne s'agirait pas de monter une chantilly. Je couvre et ça part au four préchauffé à 220 degrés pendant 20 minutes. Je retire le couvercle et ça retourne au four 15 minutes. Bon, tu le sais, c'est une de mes recettes préférées. Oui. C'est délicieux et en plus très rapide à faire. Les gaufrettes, on vous met au défi. Réalisez cette recette, envoyez-nous la photo par mail ou sur nos réseaux sociaux. Les liens en barre d'infos. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.